J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de ma série sur Inside, le jeu de chez Playdead, ceux qui ont fait Limbo. Nous sommes sur l'épisode 4, nous sommes avec cette énigme que je n'arrive pas à comprendre, et bah c'est parti. Je pense qu'il faut sauter tout simplement, mais j'ai pas le timing quoi. Et on est au max. Non, c'est vachement trop. Un truc que je dois pas comprendre quoi. Est-ce que je peux le redéclencher une fois là-haut? Non. Je dois vous avouer que là, je ne comprends pas du tout. Je peux pas déplacer ça là-bas. Ça, c'était vraiment fait pour... Si je me barre, ça fait quoi? Elle monte vachement haut, en fait. Ok, donc je pense qu'il faut que je saute juste au moment où elle va... Faut pas faire de poids. C'est chaud. Pardon. Mais... Il y a un truc que je dois pas comprendre. Ou alors faut que je monte. Non. Comment je fais pour être moins lourd, moi? Je veux pas être moins lourd. Je peux que sauter comme ça. J'arrive jamais assez haut. Là-bas, je peux rien aller chercher. La caisse, je peux pas. Je pense pas que je puisse la balader là-bas, puis je vois pas l'intérêt. Non. Si j'essaie de mettre la caisse dessus. Ah, peut-être, Marc. Ça n'a pas fait grand chose. Non, la caisse est trop lourde. Vraiment, définitivement. Moi, je peux aller dessus. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça monte pas assez haut, quoi. Faut que je saute dessus au moment. Je pensais ça. Je sais pas, je sens bien que ça doit être ça, mais si c'est ça, ça va être super chaud. Alors déjà, j'ai pas sauté une fois là-haut, donc je suis un peu un abruti, mais en plus, c'est pas assez haut pour moi. C'est chaud, c'est chaud! Possible ça. Non mais ça sert. Ça sert à rien en plus. Oh putain, j'ai cru que ça allait me tuer. Attends. C'est quoi ça? Ah. Non. Si? Oui. Yeah, baby! Ah, cool, putain. Ok. Je pense que j'aurais un peu réduit ce montage parce que ça fait vraiment super longtemps. Je suis en train de chercher, donc je pense que je vais réduire son montage. Donc vous verrez pas tout le temps que j'ai mis à faire ça.
Oh la vache. Bon, je suis super content en tout cas. Ça l'a fait. Donc on a 3 personnes de plus. C'est plutôt cool. Je sais pas combien il y en avait déjà dans le truc, mais en tout cas il nous en faut 18 ou 19, je ne sais pas. Donc là on n'a plus qu'à descendre logiquement. Et donc à cet étage-là, je dirais qu'on a fini. Ouais. Je dirais qu'on a fini. Allez les cocos, on y va. Avec mon super chapeau. Je gambade tellement je suis content. Alors, le truc, c'est que. Là, je vais monter d'un étage. Mais j'allais me retrouver du coup au niveau de. Du truc, mais je pouvais pas les arrêter. Les personnages. Je veux dire, je peux pas enlever mon chapeau. Donc, ils seraient pas restés sur la plateforme. Donc, est-ce que je dois les amener? Attendez, je vais aller au deuxième. Est-ce que je dois les laisser là? Façon, je peux pas. Ah non, ils vont me suivre. Donc, ouais, non. Faut que je les amène avec moi là-haut. Bouge! J'adore comment ils poussent les personnages en mode. Ok, gauche ou droite, allez droite. Oh merde, pardon. J'ai aucun respect pour les mecs, quoi. J'adore. Alors, bon, là. J'ai tenté ça. Ouais, allez, j'avais raison. Je l'ai tenté vraiment au feeling. T'es mort, toi? Ah, c'est corps, en fait, ils vont utiliser un corps, bah ouais. Ok, donc là, il n'y a pas de personne vivante, mais en tout cas, on va pouvoir utiliser un corps. Ah, c'est triste. On va pouvoir pousser sur la plateforme. Et théoriquement, bah, c'est le poids d'un humain, donc. En plus, ouais, voilà, d'ici, on voit en fait le compteur, c'est fait exprès. Il a dû passer à 18. Non, il n'a pas dû tomber sur la plateforme. Bon, on le mettra après. C'est pas grave. Bon, en tout cas, déjà, on a une de plus. Donc là, je sais pas combien j'ai de personnages, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula! Il y en avait quelques-uns en bas, je crois aussi. Non? Je sais plus. Bon. Ok, on a une caisse, très bien. Ok, donc faut pousser. Ah, chaud. J'espère juste qu'on n'a pas buté les mecs, quoi. Y a pas trop le choix, tu me diras. Ouais, donc l'étage du haut c'était assez simple, on n'avait pas grand chose à faire. Bah, de ce que je vois apparemment, je pense que j'ai rien loupé. Je pense qu'en bas non plus, donc là au milieu on va devoir aller chercher les gens, les personnages qui sont à gauche. Les ouvriers, tu vois, on les appelait comme ça, ils ont des casques. Excusez-moi, voilà. Est-ce qu'ils sont morts? S'ils sont morts, il va falloir qu'on prenne les corps, c'est triste. En même temps, je crois pas que j'avais moyen de faire autrement, quoi. Ah, ils sont pas morts. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont pas morts, j'en sais rien, ils sont morts depuis le début, les mecs, hein, vu le côté zombie, t'sais. Donc là, je pouvais pas ouvrir, mais à plusieurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez. Tout le monde me suit. Non? Je peux encore aller à gauche, d'accord. C'est pas ça qu'il fallait faire. Portez-moi, homme. Voilà. Oh! Bien! Et après? Non, 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 et après, portez-moi. Oh! Et après, je monte. Et non, 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 non. Comment je suis censé faire là? Comment je suis censé...
Est-ce que maintenant qu'ils m'ont vu, ils vont aller à droite? Pas du tout. Génial. Ok. Cela, je vois bien. Là, je vois bien. Je comprends. Je... Tac. Voilà. J'ai compris. Bon. Après, je fais quoi, moi? Moi, il n'y en a pas à comprendre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Toute façon, je peux pas accéder au second plan, donc j'ai... Je sais. J'ai compris. Il faut que je leur mette de l'élan. En gros, élan. Je crois que c'était ça. Mais j'ai fait un peu trop tard. Ah bah, je pense que la lampe, elle est pas là pour rien. Dès qu'il passe la lampe. Tac! Oh! Non, 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 pardon. Ah, quoique. Beau gosse. Beau gosse. Enfin, je m'auto-traite de beau gosse, je suis grave. Mais non, je parlais du gamin. Bon, je suppose que là on est assez. De toute façon, je vois pas trop, je pourrais aller chercher d'autres ouvriers, là. D'autres zombies. C'est parti. Il faut qu'on récupère le corps. Je pense que ça, si on n'y avait pas pensé, tu vois, il doit manquer juste une personne. Ça va être ça, il doit manquer juste une personne. Voilà. Et en fait, si on connaît pas, bah si on n'avait pas chopé le corps. Ah, il reste sur place! J'aurais pu les laisser, d'accord. Waouh, il a l'air d'avoir des bombes. Oh, c'est super bien fait. Du coup, j'ai perdu mon casque. Ok. Ok, le souffle nous a projetés, donc faut vraiment. C'est pour ça qu'ils nous mettent la caisse, c'est pour nous faire. Donc là, je suis protégé. Donc j'attends le souffle. Et j'y vais. Oh, c'est chaud. C'est super beau et super bien fait. On se sent vraiment tout petit, quoi. Me protéger sur l'escabeau.
C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est pas sur l'escabeau qu'il faut se protéger. C'est pas sur l'escabeau qu'il faut se protéger. Ben, sur l'échelle, je veux dire. C'est là-haut. C'est là-haut, là-haut, là-haut. Juste avant de descendre. Ou alors juste après être descendu. Plutôt juste après être descendu, ouais. Parce qu'en fait, je pense que l'échelle, on peut la gérer. Ok. Bah non! Faut la laisser tourner. Faut la laisser tourner. Beau gosse. Il est trop fort le gamin. Faut juste casser le rythme. Hop, là on relance. Ouais, le but c'est juste de casser le rythme. Non. Trop tôt. Ah, j'ai eu la musique qui a changé, comme pour me dire tu es trop doué. Ouais, bah j'ai beau être trop doué. Ah si, oh là là, c'est bien fait. La musique elle est géniale. Waouh. Je kiffe. Ok, donc là, hop, 8. Ok, j'ai compris. Hop, tout de suite, faut le déclencher. Je vais mourir! Ah, j'avais compris, mais je suis allé trop tard. C'est dommage. C'est dommage parce que j'avais compris. Hop, ça. Hop. Waouh. La musique est extraordinaire. Ah, dommage, elle s'arrête. C'est cool, on peut se protéger grâce à ça. Pas envie de rester sur la planche de bois quand on voit le truc, je sais pas pourquoi. Putain, c'est génial, quoi. C'est chaud. Fallait descendre juste le temps que ça nous protège. C'était très chaud. Ok, donc là je saute. Ah yes, le timing était chaud, hein, franchement. Donc là on va dans une espèce d'abri anti-atomique, on dirait. On avait vraiment pas de musique au début du jeu, et c'est super cool, cette progression, c'est vraiment hyper hyper bien fait. Là le jeu il prend une toute autre dimension. C'est génial. Thank you.
D'ailleurs, je tiens à dire, il n'y a eu aucun temps de chargement d'ailleurs dans ce jeu. Il y a eu, depuis le début, on est sur une aventure linéaire et on n'a aucun moment où ça charge. Donc peut-être c'est ces moments-là qui permettent le chargement. En tout cas, c'est ultra propre. Hein. Faut que je sorte de ça. Mais comment je sors? J'ai pas su sortir de la session. Par le côté, j'arrivais pas. C'est effectivement, ouais, sur l'eau, c'est hyper dangereux par le haut du lac. Mais comment je sors? Comment je sors? En fait, on a eu un passage musique, mais il est directement arrêté. Ok. Je vois comment faut sortir, comme ça. Vite, 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 mon petit gars. La lumière. C'est bon. Oh la vache, oh il en a chié là. Il y a encore une lumière là-haut. Désolé. Merde, faut que je sois plus haut sur la corde peut-être. Ouais, sûrement. Après, dans la logique des choses, plus on est bas sur la corde, plus on peut aller loin. Mais bon. Oui. Effectivement. Je le vois tout de suite. Là, tout va bien. Ah. De la lumière. Ça fait longtemps. Ok, il va falloir se... Oh. J'ai découvert un truc là ou quoi? Parce que je suis complètement en dehors du décor. Non. Ok. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse X. Ok, non, je ne sais pas. Alors, comment je suis censé aller vite là? Mais non! La corde, mec! La corde! Putain, mais des fois, je suis bête, quoi. Je prends la corde et je saute! C'est grave. Allez, vas-y. Oui! Bien joué, mon petit gars, bien joué. Pitié, pas de chien. Quand j'entends mes bruits de pas sur l'eau comme ça, j'imagine les chiens. C'est profond ou... Non. Ah, oui, il y a un passage ici. C'est beau. Ok. Alors. Oh! La fameuse petite sirène de tout à l'heure. Ok, alors. J'ai compris. Il va falloir reposer ça dessus. Alors ça va être très chaud. J'irai maintenant. Mec,
être un problème mental. Je suis fier de moi, c'est tout. Voilà. Ah ouais! Je dois sauter dans l'eau. Est-ce une blague? Oh merde, oh merde, oh merde. Oh merde. C'est chaud, mais comment je fais, moi? Je peux aller assez vite pour lui échapper? Oui. Waouh, waouh, waouh. Ouais, du coup on prend un peu de distance, voilà. Bien joué mec. Bien joué mon petit gars. Bon, ça me stresse moins que les chiens, je vous avoue. Déjà on n'a pas le bruit des aboiements là. Oh, ça fait carrément peur. Encore une fois, c'était parce que j'ai peur des chiens en fait. Ok, le plan de caméra est très bien fait, on voit la porte en bas. Ouais, faut y aller. Faut sauter. Directement, voilà. On a de l'avance, du coup. Bon, j'ai rien dit tout à l'heure. Ça stresse quand même un peu. Ok. Quel est le fuck? Là, je dois avouer que je sais pas du tout. Mais le con! Mais je suis censé pouvoir faire quoi en fait là? Parce que. Mince, je me suis accroché dans mon fil. Au secours! Là, je viens de là. J'ai compris. L'intérêt, c'est que lui se retrouve dans l'eau là-bas. Et qu'on ait de l'avance, parce que sinon, là, on n'a pas assez d'avance. Ok, j'ai compris. Bah, je crois. Mais c'est complètement con. Il a peur la peau. Et c'est ça le truc en fait, c'est que je la... Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ouh la vache. Mais comment je suis censé faire, moi?
ou je reste accroché dessus, sans bouger. En étant bien en bas, peut-être que mes pieds vont tremper dans l'eau et que ça va lui faire... On va voir. C'est ça. Et comme ça, elle reste là. Yeah, yeah, yeah. Bon, les amis, on a réussi. Sur ce, on se laisse. On se retrouve dans l'épisode 5. On va plonger, on va voir ce qui se passe. Je vous dis à très bientôt. Laissez un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Et pour me raconter tout ça et pour me dire ce que vous pensez de mon aventure. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Ciao! Yeah.